Alors, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre les enracinements des arbres associés aux cultures. Donc, on a fait différentes fosses et on a cartographié les enracinements des arbres, donc les racines fines et les racines de structure, afin d'estimer les densités de racines qu'on pouvait trouver à différentes profondeurs. Donc, on est allé de 0 jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et du coup, on a une vue d'ensemble de l'enracinement des arbres. C'est que tu prends un peu de terre. Parallèlement à ça, on a mis en place des mini-rhizotrons pour étudier la dynamique des racines, donc voir quand est-ce qu'elles poussent, leur phénologie, leur durée de vie, leur vitesse de croissance. Et donc ça va nous donner une vitesse de renouvellement de ces racines. Donc d'un côté, on a un stock, de l'autre côté, une vitesse de renouvellement. Donc ça va nous donner en fait un flux d'entrée de carbone dans le sol. Là, il est parti. Et donc ça, c'est des données qui pourront être utilisées après pour calibrer des modèles, des données sur le turnover ou la durée de vie d'une racine, des données sur les entrées de carbone, ça va servir à calibrer des modèles comme iSafe, quoi. Et aller plus bas, au même endroit. Bon, tu ne pourras pas travailler dans ce sens, puisque là, il n'y a pas de mieux. Mais là, il est parti. Donc là, on a une cartographie des densités de racines dans la fosse, donc qui ont été obtenues sur le site de Restinclière. Donc on a le site agroforestier, où ici on est sur la ligne d'arbre, et ici on est sur le milieu de l'interrang. Et donc on a un profil qui va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Alors là, on a uniquement compté les racines fines, enfin ici sont représentées uniquement les racines fines des arbres. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est qu'après 17 ans, 18 ans de croissance des arbres, on a un enracinement des racines fines qui a colonisé tout l'espace, jusqu'au milieu de l'interrang, jusqu'à 4 mètres de profondeur, et encore, ça descendait en dessous, on n'est pas descendu plus bas, mais il y a des racines partout. Donc, des données intéressantes pour la modélisation, c'est par exemple de savoir que à telle profondeur, j'ai une densité de racines de temps. Donc là, par exemple, on sait qu'à 20 cm de profondeur, on a une densité de 2,6 mètres de racines fines par décimètre cube. Donc ça fait 2,6 km de racines par mètre cube de sol. Donc c'est quand même des densités assez importantes. Et sur la ligne d'arbre, les densités sont encore plus importantes que sur l'interrang. Cette cartographie des densités de racines, ça va nous constituer une estimation du stock de racines fines dans l'instant T, à l'instant T, dans la parcelle. Donc, couplé à cette estimation de stock, en fait, on a mis en place des mini-rhizotrons avec Christophe Jourdan. Et donc, ces mini-rhizotrons vont nous permettre d'étudier la dynamique des racines, à savoir leur date de croissance, leur vitesse de croissance, leur durée de vie. Et donc ça va nous donner une idée de la vitesse de renouvellement des racines. Alors là, ce sont des images issues des mini-rhizotrons. Dans la fosse, ça reste un clair. Donc on est à 3 mètres de profondeur en septembre. Et donc là, on voit l'apparition d'une racine fine de noyer, donc les noyers hybrides. Et en fait, on a constaté que tout au long de l'automne et même tout au long de l'hiver, on avait une croissance racinaire forte dans ces systèmes. Et ça nous a fortement intéressé parce qu'actuellement dans les modèles, notamment iSafe, la croissance racinaire en fait est considérée comme nulle en hiver. La phénologie des racines est calée sur la phénologie foliaire. Et du coup, le modèle considère qu'une fois les feuilles tombées, les racines ne poussent plus. Et là, on a constaté donc que c'était pas vrai et donc qu'il continuait à y avoir des apports de carbone dans le sol, même en hiver. Ça a été constaté dans d'autres systèmes dans le projet Ecosfix, notamment à Champs-Rousses. Christophe a constaté que sous plusieurs mètres de neige, les épicéas avaient une croissance racinaire en hiver également. D'autres informations qu'on tire de ces images, en fait, on peut voir l'émergence des racines et on peut voir aussi des tout petits traits, c'est des racines très très fines, en fait, elles sont déjà noires, celles-là, elles sont déjà mortes. Donc en fait, en l'espace de quelques mois, on constate de la mortalité racinaire. Donc ça, c'est des données aussi qu'on devra rentrer dans le modèle. Parce que pour l'instant, dans iSafe, c'est un paramètre par défaut issu de la bibliographie. On considère que la durée de vie d'une racine fine, c'est d'environ 6 mois.
Donc on va pouvoir un peu affiner, affiner ces données, quoi. Voilà, ici, aussi loin que ton regard peut porter, c'est notre domaine. Et on a mis des réseaux 30 tous les mètres carrés. Donc on a un stock, une vitesse de renouvellement, ça va nous donner en fait un flux de carbone qui rentre dans le sol via la mortalité des racines. Donc une entrée de carbone dans le sol à différentes profondeurs.